Nonon Otimi Kassi Envor, roi des Baoulé, a été célébré par le député-maire de la commune de Port-Boué, Dr Emou Sylvestre, et son conseil municipal le samedi 10 décembre 2022 au terrain Séni Fofana de la dite commune. Danse traditionnelle et artistes Baoulé ont tenu la foule en haleine. Cette cérémonie a vu la présence d'une forte délégation de la communauté CDAO, avec à sa tête la reine-mère de la CDAO des peuples et des ressortissants africains, Nonon Abrafi Koto Kirema, invitée d'honneur. La chefferie Baoulé et Achon de Port-Boué, la ministre Henriette Lagou, présidente de l'association Baoulé Bla. À l'entame des allocutions de cette cérémonie de distinction et d'hommage au roi des Baoulé, le président du comité d'organisation, M. Germain Nda, a, comme il est de coutume, souhaité la bienvenue au roi et à toute sa délégation, avant de donner la parole au premier magistrat de la commune de Port-Boué, qui à son tour a donné les raisons de cette célébration. Les Baoulé sont un grand peuple qui a su s'agrandir, se renforcer et surmonter 1000 obstacles en recourant à l'arme efficace et inoffensive de l'intégration humaine. En effet, le cercle des Baoulé est un aimant qui attire et absorbe quiconque s'en approche. Par cette habile stratégie, vous êtes devenu incontestablement le groupe ethnique le plus puissant et le plus nombreux de notre pays. Otimi Kassi Envo possède deux familles, comme tout être humain, le sang-vie, sa famille paternelle, dont je suis moi-même originaire, qui a consenti à le donner au Baoulé, et le Baoulé dont il ressortit suivant la tradition matrilinéaire à Caen. Mais nous n'avons pas oublié que Sa Majesté Kassi Envo appartient aussi à la commune de Port-Boué. Port-Boué est fier d'être si proche du siège royal de Sakassou parce que le roi vient de chez nous. Oui, il vient de chez nous parce que notre commune fut en maintes circonstances son port d'attache. Les anciens se souviennent de ses séjours nombreux sur cette terre à laquelle je peux dire qu'il appartient. Port-Boué n'est pas du ressort territorial du royaume Baoulé, mais le roi des Baoulé qui est devenu Sa Majesté Kassi Envo est un enfant de notre commune qui l'a habité. Le roi est donc un membre de la grande famille unie et solidaire qu'est notre commune Port-Boué-Soleil. C'est à ce titre que l'actuel hommage lui est rendu, dans le strict respect de notre culture ivoirienne. En effet, chez nous, quand un membre de la communauté remporte un trophée ou reçoit une distinction, cet honneur réjaillit sur l'ensemble de la communauté qui, dès lors, organise une fête pour le recevoir suivant un rituel approprié à la personnalité distinguée. Le maire de Port-Boué, Emou Sylvestre, a ensuite élevé Nonon Otimi Kassi Envo Michel, citoyen d'honneur de la commune de Port-Boué. Chers chefs de communauté, honorables invités, nous voulons profiter de cette occasion qui nous est offerte pour élever Nana Otimi au titre des citoyens d'honneur de la commune de Port-Boué. À cet effet, nous allons lui offrir la grande clé de notre commune, cette clé dorée. Cette clé dorée qui ouvre toutes les portes de Port-Boué. Reconnaissant pour la marque de considération, le porte-parole de la Cour, Nonon Kouadiodon, a traduit les remerciements de la Cour royale au député maire de Port-Boué, Emou Sylvestre. Sa Majesté, Otimi Kassi Envo Michel, par ma voix, vous remercie pour cet accueil chaleureux et convivial. La Cour de Port-Boué
avec à sa tête le député maire et son conseil municipal, a tenu à honorer Sa Majesté, geste hautement empreint de symbolisme. Port-Boué occupe une place particulière pour Sa Majesté. En effet, les murs de cette cité l'ont vu grandir, car il y passa la plupart de ses vacances scolaires au sein de sa famille paternelle, plus exactement chez sa grand-mère, Brouadio Yvonne, dit Nana, paix à son âme, résidente de Port-Boué. Cette cérémonie révèle pleinement le symbolisme. La cour royale baoulée, honorée de ses terres, c'est tout le peuple baoulé qui se voit honoré au travers de son roi. C'est également la manifestation de la cohésion et de l'unité entre le peuple baoulé et leurs autres peuples frères, d'une part et d'autre part. Sa Majesté remercie le bourgmestre de Port-Boué, Monsieur Mou Sylvestre et son conseil municipal, pour cette belle occasion qui permet la consolidation et la fraternité entre les frères de divers horizons. Plusieurs dons en vivres et non-vivres leur ont été offerts. La cérémonie a pris fin dans une ambiance festive.